Que je vous sers votre carré de boule. J'ai qu'un rôle à tenir. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Enchanté, monsieur Sevevich. C'est un plaisir de vous rencontrer. Tout le plaisir sera pour moi. C'est l'espèce de porc assis à 8 heures. Et que fait au malais facile. En secret. Au malais, sa fils de pute. Tu penses, mec. Qu'est-ce qu'il... Viens, on fait ton débat.
nous, le CUI, on élimine les méchants. La CIA et le FBI nous pointent les salopards qui ne méritent pas de procès à cause de la menace qu'ils représentent pour le monde libre. Et nous, on les exécute. Mais ça, tu le sais, hein, Sean? Bon, on va se concentrer sur ta prochaine mission. Ta prochaine cible s'appelle Dominique Strauss-Kahn. Tu décolles demain pour Paris. Je raccroche, Marc. T'as ma lettre de démission sur ton bureau. Tu vas nous quitter comme ça, Sean? Si facilement, si vite, sur un coup de tête? Réfléchis, mon ami. C'est fini, Marc. Je ne suis plus ton petit ange de la mort personnel. Il est bon, l'enfoiré. À utiliser comme bouclier. On passe au plan B. Bonjour. Bonjour. Je t'ai entendu cette nuit. T'as fait des cauchemars? J'ai avec une bande de salauds, armés jusqu'aux dents, venaient s'emparer de tout ce que j'ai plus précieux. Et après? Bah alors, j'ai été encerclé par une centaine de soldats. Une centaine. J'ai tous pris, un par un. Il était trop tard pour eux. Je voyais bien dans leurs yeux qu'ils savaient qu'ils allaient mourir. Et tu sais quoi? Ils avaient raison. Je les ai tous décapités. Ah! Et avec le reste de leur corps, je les ai enculés. Non! Et ouais. Sean. Ça va vraiment rester comme ça? Je supporterai pas de te voir repartir encore une fois. Passer la nuit à t'attendre, Sarah, tout seul. À partir de maintenant, tu seras plus jamais seul. Tu t'endormiras plus jamais seul. Mais j'ai une dernière mission à accomplir. Je dois repartir. Sean. Écoute. C'est mon devoir. D'aller chercher des croissants. Ah, tu m'as fait peur! Mais t'as raison. Dépêche-toi avant que je meure de faim. En fait, je crois qu'il préférait des pains au chocolat. Alors, ce sera des pains au chocolat. Et il veut aussi une tartelette aux fraises! Il a bon dos, le bébé. Mais c'est une tartelette aux fraises. Bonjour, Sarah. Oh, Jerry. Bonjour. Sean n'est pas là, mais il va revenir. Je peux entrer? Oui. Je manque à tous mes devoirs. Est-ce que je peux vous servir un café? Volontiers, ça. J'ai appris la bonne nouvelle. Tu sais, Jerry, je suis désolée que ça se soit passé comme ça. Je comprends. Seulement, dans ce métier, tu sais, les ordres sont les ordres. On choisit pas où on va, ni quand on y va, ni qui on devra tuer. Je suis vraiment impolie, je me promène dans cette tenue sans même m'en rendre compte. Je vais aller passer quelque chose de plus confortable. Crois-moi,
Sarah. J'aurais aimé que ça se passe autrement, mais dans ce métier, comme je te l'ai dit, les ordres sont les ordres. Et on n'a pas le droit à l'erreur. Non ! Non ! Non ! Lâche-moi ! Merde ! S'il te plaît, ferme ta gueule. Je t'en supplie, chérie, fais pas ça. Je ne vais pas revenir, il va t'expliquer, ne fais pas ça, je t'en supplie. S'il te plaît, laisse-moi partir, s'il te plaît. S'il te plaît, Jerry, s'il te plaît. Buck, tu l'as. Non, non. Jerry, s'il te plaît, non. Buck, tu sais pas te torcher le cul tout seul? Elle m'a mis un coup de coude, la salope. Salope? Un peu de respect pour une femme enceinte. Bon les gars, planquez-vous, il va bientôt arriver là. Alors, Savage a pris sa retraite pour de bon? C'est Sarah qui a pris une retraite anticipée. T'as pas l'impression de t'être trompé de cible? Espèce de gros connard. Ouais, il est coriace. Mais je vais le retrouver. T'as eu ta chance, Jerry. Je vais plutôt envoyer Hunter. Son ancien partenaire? On ne change pas une équipe qui gagne.
t'ai vu, Hunter. Tu m'as vu et t'as rien fait? Tu te ramollis, ça bête. Tu te ramollis, ça bête. Hey Sean, tu sais que ça va faire plaisir à beaucoup de monde, une petite partie de paintball? Si t'as des burnes, pose tes jouets, réglons ça en close combat. Avec 30 kilos de plus, t'arriverais peut-être à me maîtriser, maigrichon. Comme à l'époque de nos classes. J'étais toujours dominé dans les tests d'agressivité. Ouais, mais ça... c'était l'entraînement. Là, c'est la réalité. Ça. Tu me mets dans la merde. Allez, casse-toi. Tu sais, si tu retournes le voir en dem, ils vont se méfier. Allez, vas-y. Sors pas la première ni la dernière. Allez, tire! Non, je suis gaucher du con. Merde, désolé. Putain, je suis gaucher. Je suis gaucher. Tu me veux, Marc? Alors viens me chercher. L'enfoiré, putain. Les mecs du central ont repéré cet enfoiré. Il l'a dans le baba. C'est parce qu'il a bien voulu, Blanbec. Où est-il maintenant? Il est dans le bayou Buffalo. Évidemment, le lapin retourne dans son terrier. Rassemble tous nos hommes et soyez dans 3 heures sur le tarmac. Tu veux jouer, Sean? On va jouer. Non, attends, on va. Juste là, maintenant. Et à qui on va en encore?
To that poor mouth on the range, they got a lot of nice girls. Couteau de mierda, Sloopo. Vous avez mis Savage en colère. Ah, vous êtes vraiment des pugnetas. Sloopo, bouge-toi le culo. Je t'attends avec ton équipe de pugnetas à la zone Tango Alpha Blondie, en plein milieu de sa zone de chasse. Hey Lupo, t'es vraiment un pugnetas. Bienvenue dans le PD de Cabron. J'ai failli attendre. Putain, c'est l'enfer ici. D'après les renseignements, on devait avoir affaire à un Mac tout seul. Sans armes et à pied. C'est vrai? Ils ont monté un commando de 5 agents pour un seul Mac? Mais c'est qui ce Mac? Le diable? En Colombie, les FARC l'appelaient El Chupacabra de la Fanca des PD de Cabron de Puñetas. Hé les mecs, il y a un ou deux trucs que vous avez pas saisi sur Savage. Quand le CUI devait monter une opération qui ne devait pas échouer, c'est lui qu'ils envoyaient en territoire ennemi, d'accord? C'est le genre de mec qui remplacerait bien son expresso du matin par de la nitroglycérine, rien que pour chier de la dynamite au goûter. Ce mec-là, tu le lâches dans le Sahara, dans ce putain de désert, avec juste un bob comme vêtement et sans déodorant, et demain après-midi dans le journal, tu découvres qu'un putain d'enfoiré a découvert un puits de pétrole à Bamako et qui se fait les couilles en or, d'accord? Ce type-là est un professionnel. Si on le descend pas maintenant, on sautera tous et il ne restera plus qu'un grand trou à la place des États-Unis. Alors on va trouver ce type, le descendre et on sera enfin débarrassé de ce fumier. Ce que t'appelles l'enfer, il appelle ça chez lui. Le diable aurait pitié. Passionne. Mais il est où ce con? Putain! Savage!
Marcus! Qu'est-ce qu'il fait? Marcus! Marcus, putain de merde! Ça va être enfoiré! Surprise! Merde, fais chier. T'avais pas une queue de cheval, toi? Je l'ai coupé et maintenant j'en ai plus qu'une. Ah, ah, je t'y pète. Ta réplique dans les années 40, elle aurait fait fureur. Klein Arschloch. Ta réplique dans les années 40, elle aurait fait fureur. Je vais te refroidir comme une glace, Haagen-Dazs. Heinrich. Heinrich. Heinrich, réponds-moi. Ich komme wieder! Heinrich! Heinrich, réponds-moi! Qu'est-ce qui se passe? Oh, allez, vas-y! Ramirez, reste avec nous. Ramène ton cul ici. Lopo, tu m'entends, espèce de connard, tu m'as mis dans la merde. Connard, je vais me barrer, je te laisse tout seul. Ouais, cabron. Non, non, je te laisse tout seul. Pas dans les hautes heures. Quoi? Non. Pas dans les hautes heures. Non, je me casse, tu me payes des pugnettes si je vais rester me faire crever par Savage. Pas dans les hautes heures. Non, je me casse. Je m'en fous des hautes heures. Je m'en fous. Yep. Ninja. Ah, pugnettes. Thank you.
O'Malley, réponds. Elle est où la pureté du combat à main nue, Savage? O'Malley, réponds. Prêt pour le grand plongeon. Savage. Attention la tête. O'Malley, réponds. O'Malley, réponds. Qu'est-ce qui se passe? Réponds. Oh merde. L'enfoiré. T'as foutu la merde, Sean. T'aurais dû me laisser partir, Marc. J'ai agi pour les intérêts du CUI, Sean. Dans son intérêt, t'aurais pas dû toucher à Sarah. Cette grosse pute? Juste à l'heure, Ramirez. Eh oui, juste à l'heure, Cugnetta. Le temps, c'est de l'argent, comme vous dites, les Américains. Envoie les Fafios. Savage.
T'avais raison, Marc. Tout le monde est avant. Rumors spreading round, and that takes its time. Right to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Tu voulais, tu vois, laisse, tu vas. Alors, faut que j'ai un peu. Action. C'est bon? And action. Attends. Voilà, attendez. Action. Non, trop loin. C'était pas comme tout à l'heure, c'était pas comme tout à l'heure. Non, non, mais il est. T'as, tu peux pousser un petit peu là, ouais, là, non, non, là, faire là-bas. Tu joues la peur, comme ça, tu rentres. Action. Attends, deux secondes. Action! Attends, tu vas trop vite! Action! Merci! Action! Qu'est-ce qui se passe? Attends, non, non, je l'envoie! Qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait pour qu'on est un putain de restaurant italien ici? Toi, vous faites des boulettes. Action! Qui a bouffé toutes les pâtes? Mais tu me connais. Je mange pas de ce pain-là. Tu manges des mots encore, hein. Faut que tu boives de l'eau. Je sais. Là, je suis un peu desséché. Hein. Oh, je manque à tous les devoirs. C'est trop laid. Action. Crois-moi, Sarah. J'aurais préféré que ça se passe autrement, mais les ordres sont les ordres. On n'a pas le droit à l'erreur. Seulement dans ce métier. On ne choisit pas où l'on va. Quand on y va. Qu'est-ce que. And action! A cup of tea! Rassemble tous les hommes restants et soyez. Silence. Eh, hey, c'est le monsieur qui a joué club! Silence and action. El chupacabra de la fanca de pelle de cabrón de puñetas. And action! Allez, déploiement. Non. Allez, on se déploie. Action! Action! Sausage! Maire de puta! Craig! T'es con! Say, say, hits, hits, say. Ah, y a plus de batterie, c'est fini. Voilà, comme ça, on est arrivé. Allume. Il veut plus rien savoir. Non, mais il a allumé, mais il veut plus rien savoir. Bah, t'es pas en mode photo? Non, non, je suis en mode caméra. Bah, vas-y, essaye, toi. Appuie. Lock là. Qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai, il est marqué lock à ça. Ouais, je crois, ça marche pas. Peut-être c'est lock là qui fait chier. Ouais, c'est peut-être ça. Menu. Menu, menu, voilà. Enfin, éteins-le. Ah, c'est m'a saoulé le truc, allez. Non, c'est en lock là. Pourquoi c'est en lock là? Je sais pas ce que c'est lock. Là, quand je vais m'énerver. Ah, déjà, faudrait l'éteindre.